droite s'est dégagée. Sur la droite dégagée. Sur ta gauche, dégagée à gauche. Salut, allez, on se retrouve sur iRacing pour ma troisième tentative de record. Alors pas de record mais de course, parce que je ne vais jamais au bout. Alors le combo c'est GT3, donc là je suis avec la Ferrari 488 sur le circuit de Long Beach. Donc c'est un combo que je ne connaissais pas, que j'ai pas essayé avant. J'ai ni pu essayer la voiture ni le circuit, donc c'est une totale découverte pour moi. Et je suis agréablement surpris et de la bagnole et du circuit. Par contre, comme c'est une semaine de transition, c'est un peu compliqué. On va partir là pour les qualifs et on se retrouve nous sur la grille de départ. Bon allez, on est parti. Donc nous voilà 12e. C'est pas mon meilleur temps, très clairement. Ou 11e. Non, je trouvais 12e, je pense. Bon. Compliqué, circuit très compliqué. En plus, c'est une semaine particulière, une semaine de transition sur iRacing en attendant la nouvelle semaine. Donc, forcément, il n'y a pas de risque à conduire comme un gros dégueulasse, si je me trompe pas. Donc, on gagne ni du rating ni on en perd. Donc, voilà, ça donne quelques difficultés sur la piste, sur la propreté des courses. Ça se ressent. Donc, là, le combo, pas le combo, le circuit est déjà compliqué. Là, si en plus les gars. Font pas un minimum d'efforts. Donc on va essayer de la terminer hein, cette course. Sur les deux premières tentatives, je me suis pris deux petits chocs. Donc le mec spin devant moi, je lui rentre dedans, j'ai plus rien. Et ces deux petits chocs en fait ont fait que j'avais ma direction de travers. 15 Bon. minutes dont tu as besoin pour continuer. 11e place. Comme vient de dire mon spotter français, c'est une course de 15 minutes. Encore une fois, le problème dans les petites courses à faible durée. Suivre la voiture Ben numéro c'est que les mecs veulent 83 rusher à dans la mort. colonne de gauche. Ouais. Bon, on va essayer de suivre pas trop près, pas trop loin. Parce que le green, il est vraiment proche. Mais il est juste là après. Mais il y a une épingle juste avant. Voilà l'épingle là. Donc ça va donner green. Vous allez voir, vous allez entendre. Ah, mais roule avec ta Ferrari, toi. Voilà, ça s'est mieux passé que sur les voies précédentes. Allez, on respire et on y croit. Oh là là. Voiture sur ta droite. C'est dégagé à droite. Allez, ici pareil, compliqué. Merci monsieur. Allez, c'est moi qui se prends le x4. Encore un carton devant. Vraiment agréable hein, cette Ferrari. Ici c'est compliqué. Voilà, sur je l'avais la dit. gauche, clair à gauche, droite, Je l'avais dit. dégagé. Sur la droite, dégagé à droite. Ah oh là là, mais sérieux. Ah là là là. Ça c'est le risque hein, de ce circuit-là.
En plus, je dois avoir peut-être un petit peu de dégâts. Ouais, elle braque plus comme, comme tout à l'heure. Oh, elle tourne plus. Tiens, c'est pas le caco de sa BM ça? Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ne va pas plus vite que ce que tu peux. Et à un moment... Sur la droite. Droite dégagée. Là, je me tords en deux pour cette, cette épingle. Incroyable. Déjà 10 minutes. Ah, elle braque plus. Elle s'ouvire énormément, je trouve. C'est celui qui me fait penser un peu à Adélaïde. Enfin, c'est la même, même configuration. Compliqué, un volant type F1 ou GT de braquer comme ça, c'est vraiment pas naturel. Et on est pas loin du top 10. Il y a du monde devant. Ouais, monsieur retardataire avec sa McLaren. Mm-hmm.
J'aimerais bien que tu dégages. Bon carburant. Ouais, il y a encore la place, il y a encore moyen. Je vais le défoncer, hein, je le sens. Allez, 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 allez. Ouais, je suis pas bon à la reprise. Ah, il y a le P10 devant là-bas. Mais tire-toi, bon sang. Allez. Pas possible ça. Pas quoi il joue. Non, tire-toi. C'est dégagé à gauche. Espèce de connard, je suis en x16, je vais même pas finir ma course. Push now, we can catch up here.
Ah, j'aurais pas fait ça sur une course officielle, hein, mais... Ouais, il va me bouffer avec Salambo. Oh, il a touché devant. Dernier tour, fois 16, encore une erreur et c'est terminé. Mais il est con lui, mais il est con lui. Mais c'est pas possible. Mais, sois sérieux. Putain, c'est dingue ça. C'est des fous furieux, hein. Pas sûr, t'as rien à perdre. Elle tourne plus, elle tourne plus. Mais il est content. Il est content, Kelson Nelson, mes couilles. Bah écoute, tant mieux pour toi. Hein. Allez, fin de course, c'est bon pour... Mais alors là, le Marco Bosco, là. Merci, hein. Pas possible, hein. Tiens, toi, Marco Bosco, là. Tiens. Fait plaisir. Pas possible, ça. Crétin comme ça. Bon, vous voyez, les gars, c'était pas trop mal. Mais alors, le Marco Bosco, là, si c'est lui, je me rappelle plus. C'est pas possible, les gars, comme ça. C'est pas possible. Je crois que c'est la semaine de transition qu'il faut faire les foufous. Si t'es frustré pendant que tu roules sur e-racing toute la semaine, bah écoute, c'est pas mon problème. Bref, allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette course. Moi, je vous dis à une prochaine. Et puis, à plus. Allez, tchuss.